Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, unboxing Diamond Painting, voilà. Alors je vais vous faire découvrir aujourd'hui une nouvelle boutique, enfin elle est peut-être pas nouvelle, mais enfin une nouvelle pour moi, voilà. Je ne la connaissais pas avant. Une nouvelle boutique donc de Diamond Painting, voilà, que j'ai découvert par le biais d'internet. Qui s'appelle l'Éternel, en un seul mot, voilà. Donc, mais je, comme d'habitude, je vais vous mettre tous les liens nécessaires et utiles en barre d'infos. Donc, cette boutique s'appelle l'Éternel. Alors, dans cette boutique, on y trouve du diamond painting, bien sûr. On y trouve les accessoires également pour le diamond painting. Il y a beaucoup de choix. Beaucoup de choix de au niveau des thèmes, au niveau des tailles, des prix également. Vous avez les petits prix et vous avez des prix un peu plus, un petit peu plus conséquents par rapport à la taille, bien sûr. J'ai eu d'ailleurs beaucoup de mal à choisir un kit. Parce que bon, il y avait beaucoup qui me plaisaient. Et puis bon, maintenant, je commence à avoir beaucoup de kits déjà faits et pas faits encore. Et donc maintenant, le choix devient de plus en plus difficile pour moi. Et donc voilà. Alors, cette boutique est située en France. Je parle des bureaux. Voilà, les bureaux sont en France. Parce que je sais tout de suite, on va me dire, ouais, les kits sont faits en Chine, comme partout, gna 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 gna. Je sais. Alors, n'allez pas tout de suite me dire, je parle des bureaux. Les bureaux sont en France, dans la région parisienne. Ils ont leur stock également, le stock dans la région parisienne. Voilà. Ce qui leur permet de faire des livraisons rapides. Alors. Ils peuvent livrer en 72 heures, voilà, en Colissimo ou par transporteur, par GLS. J'ai un truc à dire là-dessus. Pas de la faute de GLS, hein, de l'Éternel, hein, mais de GLS. Je vais en venir dans 5 minutes. donc, ils peuvent vous livrer très rapidement. Sauf pour les kits personnalisés. Bon, ça, c'est comme toutes les boutiques. Hein. Là, il faut le temps de les faire, hein, c'est normal. Ça, on ne peut pas les avoir en stock, hein, les personnalisés. Donc, vous aurez compris qu'ils font du personnalisé également. Moi, j'ai été en contact avec la personne donc le 1er octobre. Et j'ai reçu aujourd'hui mon kit. Donc, le 6 octobre, aujourd'hui. Voilà, donc le temps que l'on soit en contact, que j'envoie mon choix, tout ça. Donc, j'ai reçu aujourd'hui. Donc, il a fallu moins d'une semaine pour que je reçoive. Du premier jour où on s'est parlé jusqu'au jour de la livraison. C'est rapide. Voilà. Donc, c'est vraiment super. Je reviens donc 2 secondes sur GLS, donc qui n'a rien à voir avec la boutique, parce que bon, ce matin on n'était pas à la maison, on avait un truc à faire, hein, voilà, comme tout le monde. Et donc je reviens chez moi, bon, j'avais les pubs à la boîte aux lettres, donc j'enlève les pubs, il n'y avait rien d'autre dans ma boîte aux lettres. On rentre, je vois que j'ai un email sur mon téléphone, donc je regarde l'email et c'était marqué livraison effectuée à votre domicile. Bien, je précise bien à votre domicile, voilà, avec le numéro de colis et tout. Alors je me dis, tiens, ça c'est le colis de la boutique L'Éternel. J'ai dit, ben, il n'y avait rien. Donc, je fouille mes pubs pour voir s'il n'y avait pas un avis de passage. Parce que, bon, des fois, ça peut se glisser dans les publicités, hein, ça arrive. Et non, pas d'avis de passage, rien. Donc, je vais toquer chez mon voisin.
Rien. Mon deuxième voisin n'était pas là, donc ben, j'ai pas toqué hein, chez lui. Il n'était pas là. Donc j'ai appelé GLS. Et d'abord, vous avez un message. Ils vous reconnaissent avec votre numéro de téléphone qui vous dit votre colis a bien été livré à votre domicile, blablabla. Bon, si vous voulez parler à conseiller, faites deux. Donc je fais deux. La dame, très gentille, regarde, elle me dit, ben, le colis, oui, a été livré chez vous. Je dis non, 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 pas livré chez moi. Donc, je lui explique. Donc, elle dit, patientez, je vais vérifier. Toujours très gentille, la dame. Là, du début jusqu'à la fin, elle a été vraiment très, très gentille. Là-dessus, j'ai rien à dire. Et elle vérifie. Et elle me dit, j'ai retrouvé... Il y a une signature sur les bons du chauffeur parce qu'il les voit en direct hein, malgré que le chauffeur est sur la route, il voit les bons du chauffeur en direct. Il y a la signature de monsieur ou madame Lanois, donc c'est pas mon nom hein, puisque moi je m'appelle La Paille. Donc le colis normalement a été déposé chez ces personnes. Je connais pas. Je connais pas de monsieur et madame Lanois, donc elle me dit bah, elle dit attendez, je vais essayer de joindre le chauffeur. Elle n'arrive pas à le joindre. Elle me dit je vous rappelle d'ici un quart d'heure. Et je dis ben moi je vais chercher, je vais demander à des voisins s'ils connaissent monsieur et madame Lanois. Personne connaît. Je téléphone à ma belle-fille qui habite quelques maisons dessus, elle connaît pas non plus. Puis bon, le quart d'heure se passe, la dame m'avait pas encore appelé, et mon deuxième voisin arrive, et je lui fais, parce que lui connaît tout le monde, donc je lui dis, tu connais quelqu'un qui s'appelle monsieur ou madame Lanois? Il me fait, ah non, non. Il dit, par contre, j'ai un colis pour toi. Je lui dis, mais tu t'appelles pas Lanois? Il me fait, non. Et je fais, bah, t'as pas signé, alors je lui dis, t'as signé un bon? Il me fait, non, j'ai rien signé. Donc, le chauffeur de GLS a déposé le colis chez mon voisin et a signé le bon lui-même en mettant un nom bidon. Voilà. Heureusement que j'ai des bons voisins, que je m'entends bien avec eux, parce que sinon, ben, mon colis, le voisin aurait pu se le mettre dans la poche et puis, terminé, circulé, il n'y avait plus de colis. Voilà, donc j'ai rappelé la petite dame. Toujours très gentil, très aimable. Je lui ai expliqué. Et là, le chauffeur va se faire souffler dans les bronches parce qu'elle m'a dit, ben, je raccroche et je rappelle son responsable tout de suite pour lui expliquer. Voilà. Non, mais... Non, mais regardez, bon, c'est un truc de valeur qui coûte cher ou quoi. Bon, c'est pas le même là. Bon, c'est peut-être quelque chose sans importance. Mais vous achetez quelque chose qui a de la valeur ou quoi, le chauffeur vous le dépose n'importe où, vous n'êtes pas bien avec ce voisin-là, ben le voisin se le garde, et puis ni vu ni connu, vous ne savez pas où votre colis il est. Voilà. Bon, je referme la parenthèse. Alors l'autre jour, c'était colis privé, là maintenant, c'est GLS. Enfin, là, la boutique n'a rien à voir là-dedans, hein, bien sûr, ils n'y peuvent rien. Ils ne peuvent pas le savoir qu'il y a des problèmes avec les chauffeurs de chez GLS. Principal, c'est que j'ai retrouvé mon colis en bon état. Il était super, super... Bon, j'ai enlevé le premier emballage parce qu'il était tellement bien emballé d'ailleurs que j'aurais fait beaucoup trop de bruit. Donc, super bien emballé. Et vous voyez, il n'y a aucun souci. Voilà. Là, il y a l'image, donc j'attends pour vous la montrer. Comme d'habitude. Voilà. Donc là, c'est un kit Diamond Painting en diamant rond. Sa taille fait 40-50. Donc en le déballant, on va mesurer la taille de l'image. Hein, puisque vous savez bien que quand on vous donne une taille 40-50 ou 50-80 ou 30-30 ou n'importe quelle taille, c'est toujours la taille de la toile complète. Avec les marges. Ça, faites bien attention à ça. C'est toujours la taille que vous voyez sur les boutiques, c'est toujours la taille
complète avec les marges. Donc quand vous voyez pour acheter un cadre, mesurez bien l'image. Ne vous fiez pas à la taille qui est notée dans la boutique. Il faut bien mesurer votre image. Voilà. Je le répète souvent depuis quelques vidéos, mais c'est pour que vous n'ayez pas de surprise quand vous achetez votre cadre, vous vous dites « mince, l'image est plus petite que le cadre ». Voilà. Ceci dit, je vais vous montrer. Alors, j'ai d'abord eu, ils m'ont rajouté un petit cadeau. Voilà. Un stylet. Alors, celui-là, je ne l'ai jamais vu. Il est super beau, j'adore. Alors, là, je vais le déballer pour que vous le voyez mieux. Hop. Voilà. Celui-là. Voilà. Il est super beau. Je vous mets le petit bouchon. Il est trop joli. J'ai déjà vu hein, plusieurs fois dans les boutiques. Mais il est léger. Hein. Il n'est pas lourd du tout. Donc là, au bout, ça fait carré. Bien sûr, vous avez la pointe. Hein. Voilà. Il est vraiment très beau. Alors ici, vous avez un petit trou. Alors, ouais, il y a un petit trou là. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, peut-être. Voilà, du coup, vous pouvez lui accrocher un truc pour le décorer, pourquoi pas. Voilà. Donc, je l'essayerai. Je vous dirai ce que j'en pense. Donc là, c'est un stylet pour mettre de la glu, hein, bien sûr. Mais il est super beau. Je vous mettrai le lien également pour retrouver ce stylet dans la boutique. Voilà. C'est bien, il a un petit bouchon. Du coup, pour ne pas abîmer la pointe. C'est pratique. Allez, je vais vous montrer maintenant le kit. Alors, je cherche le bout. Il est là. Vous n'avez pas encore vu l'image, hein, mais je pense que vous allez aimer. Alors, je mets d'abord l'image là, sur le côté. Je sais, je suis une vilaine. Je vous fais toujours languir. Alors, on a dedans, d'abord, le petit kit, comme d'habitude, le petit plateau, le petit stylet rose, quelques petits sachets pour remettre les perles qui resteraient, la petite glu rose, voilà. Donc ça, c'est comme d'habitude. Hein. Les perles, voilà. Alors, je vais commencer par vous montrer les perles. Oui, vous verrez le kit après. Alors, il y a combien de couleurs alors, il faut que je les compte. Attendez. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah ben non, pourquoi je les compte, moi, je suis bête. N'importe quoi. J'ai 26 couleurs. Voilà, je ne sais pas pourquoi je comptais les couleurs, c'était marqué. Hein? Donc, je répète, c'est des perles rondes. Ou en ce moment, je suis dans ma période perles rondes. En fin de compte, j'aime beaucoup les perles rondes maintenant. Ça fait du bruit. L'image, vous la verrez. Après. Donc voilà les couleurs. Donc, je vous montre les perles. Bon, elles ont l'air bien. Je ne vois pas en premier comme ça de déchets. Bon, de temps en temps, il y a une perle d'une autre couleur dedans, mais ça, c'est pas un problème. Comme j'ai déjà expliqué, hein, ça arrive qu'il y ait une perle d'une autre couleur dans les sachets. Hein, toutes les machines sont l'une à côté de l'autre, il y a une perle qui saute, hein, il n'y a rien de grave là-dedans. Voilà, je regarde, ouais non, il n'y a vraiment rien, il n'y a vraiment pas de soucis majeurs dedans, je ne vois pas de poussière, je ne vois pas de perles cassées,
Donc, ça va très bien. Donc, voilà les couleurs. On dirait un peu orange là, mais c'est un marron. Voilà. Alors, ça, c'est du... Est-ce que c'est du noir? Non, c'est pas du noir. Je sais même pas si j'ai du noir. Non, j'ai pas de noir. Youpi. Je n'ai pas de noir. J'ai pas de blanc. Allez, comme là, il y a une petite perle d'une autre couleur. Bon, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme, hein. Ça arrive. De très jolies couleurs. Un très beau rouge. Le vert aussi, très beau. Encore un autre rouge. Oh, celui-là, il est pimpant. Orange. Là. Oh, là, il y a un gros sachet. Et voilà. De très belles couleurs. Très belles couleurs avec une très bonne qualité. Hop. 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 Et hop. Voilà. Je sais, c'est énervant le bruit du sachet. Voilà, donc vous avez vu les perles. Est-ce que vous voulez voir le kit maintenant? Oui, hein. Alors, d'abord, vous voyez, il n'y a pas de rivière. Ça, c'est les plis, hein. Comme d'habitude, un petit coup de fer. Et il n'y paraîtra plus rien. Voilà. Et voilà le dessin. Chouette, hein? J'adore. Là, celui-là, je suis tombée amoureuse de ce dessin qui est super beau. Magnifique. J'adore. Donc, comme j'ai dit, c'est un 40-50. Et donc, l'image, elle fait 33 sur 44. Voilà. Donc, il est vraiment super beau. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, niveau impression... C'est nickel. Regardez, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Niveau impression, il n'y a rien à redire. Et niveau colle, ça colle. Voilà. Je vous remontre avec l'image, mais je vous remettrai une photo. Voilà ce que ça donne. J'essaye de ne pas mettre de reflets. Ah, ça fait des petits reflets, je suis désolée. Alors, j'essaye de trouver... Voilà. C'est trop, trop beau, j'adore. Je crois que je vais prendre beaucoup de plaisir à le faire, celui-là, parce qu'il est vraiment... Ah, j'en suis amoureuse. Vraiment très beau, très beau, très beau. Donc celui-là, je vous rappelle, il fait 26 couleurs. Il a des perles rondes. Donc c'est un 40-50. Donc, je disais combien? 33-44, hein, j'ai bien dit. 33-44, ouais, c'est ça, j'ai dit. Ouais, 33-44 pour l'image. La toile...
De bonne qualité, il n'y a aucun souci. Ben voilà. Non, j'adore tout. Tout est nickel. Les perles sont de bonne qualité aussi. Le petit cadeau en plus est pas négligeable. Moi, j'aime bien ce petit stylet. Celui-là, je ne l'avais pas. Donc, je suis contente. Donc celui-là, je vais l'essayer. Hein. Je vous dirai ce que j'en pense. Donc voilà. Donc je vais vous mettre les liens en barre d'infos, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas de cliquer sur les liens, d'aller voir ce qui se passe de beau dans cette boutique. Il y a plein de choses. Enfin, beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de kits. Il y a des accessoires, plein de choses. Très intéressante. La livraison est hyper rapide, donc c'est très intéressant pour ça. Je crois me rappeler que la livraison est offerte, si je ne dis pas de bêtises. Oui, je crois que je ne dis pas de bêtises. J'espère. Je vais vous remettre en barre d'infos, mais je crois que je ne dis pas de bêtises. Je vais vous remettre là. Mais je crois que je ne dis pas de bêtises. Je crois que la livraison est offerte. Donc, ça, c'est bien aussi. Vous pouvez faire également donc, une demande de kit personnalisé chez eux. Donc là, le délai est un peu plus long, ce qui est tout à fait normal. Donc là, il faut prendre contact directement sur la boutique avec eux et là, vous voyez directement. Puis voilà. Donc, de temps en temps, quand il y aura des nouveautés sur cette boutique, je pense que je vous mettrai dans la communauté. Je vous ferai des petits articles en vous mettant des liens. Des nouveautés qu'ils mettront en ligne sur cette boutique. Comme ça, vous verrez les nouveautés qu'il y aura pour vous bah, voir tout simplement ce qu'il y a de nouveau. Pardon. Et maintenant, ben, je vais vous laisser. Voilà. Oh là, la voix. J'ai la voix qui est partie. Oups. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Voilà, je vous invite à aller découvrir cette boutique. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé de la boutique. N'hésitez pas non plus à me dire, ben, du coup, si vous avez été commander quelque chose et ce que vous avez pensé de la livraison, du kit, quoi. Hein. Moi aussi, ça me ferait plaisir d'avoir des retours. Hein. Je parle de la boutique, mais j'aimerais bien aussi avoir des retours de chez vous, Pourquoi pas? Et maintenant, je vous laisse. Je vous fais à tous des gros bisous. Voilà. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.